Le sujet d'aujourd'hui, là, alors, les psychologues et les philosophes sont les bienvenus. Mais je pense que ce sera un des sujets les plus profonds de la chaîne à date. Très profond même. Parce qu'on va aborder un aspect psychologique que beaucoup de personnes ne considèrent pas. On va parler de certains secrets dont on ne parle pas souvent, qui vont renverser. C'est-à-dire, ça va. It's going to make your life upside down, guys. Je vous promets. Ça va transformer vos vies. Comme ça a transformé la mienne, en tout cas. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de sept secrets qui vont faire des merveilles dans votre vie. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors, si on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Cette vidéo sera un peu sensible parce que je ne sais pas trop bien comment l'aborder sans faire que certaines personnes lèvent des sourcils, mais venant de quelqu'un de très pragmatique, comme je le suis, et très terre à terre, je peux vous dire avec confiance que avant que ce pragmatisme-là et ses réalisations voient le jour, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la partie invisible de l'iceberg. Parce que très souvent, on ne voit que la petite pointe. On dit « Waouh !» Alors qu'il y a en gros, une grosse partie submergée en dessous. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler des secrets que certains connaissent. Ces secrets-là, toutes les personnes riches les connaissent en passant. Toutes. La plupart des personnes pauvres ne les connaissent pas. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils secrets? Sont-ils vraiment secrets? On va discuter de tout dans la vidéo. Le premier secret, c'est être conscient de qui nous sommes. Quand je dis être conscient de qui nous sommes, je parlais du fait que nous sachions nous observer. Combien de fois avons-nous été en mode autopilote? Combien de fois est-ce qu'on vous a insulté et vous avez réagi du tic au tac? Combien de personnes parmi entre nous, disons-nous la vérité, combien de personnes ont eu à poser, à faire une pause, quand on vous insulte, et à vous observer? Et être l'objet de votre propre observation. Quelqu'un vient vous dire des choses au visage, oui, ceci, tu as n'importe quoi, tu as fait quoi. Et toi, c'est beaucoup de trop dans les émotions, trop dans le tic au tac. Alors qu'il faut qu'on apprenne, et vous allez comprendre pourquoi après, à s'observer et à se connaître. Si elle dit ça, la personne va presser sur ce bouton et ça va m'inciter à répondre. Si elle dit ça, et donc, quand vous êtes dans cette situation, ça peut vous arriver aujourd'hui, hein, qui sait, vu que vous regardez cette vidéo, on ne sait jamais comment la journée va se passer. Et si ça vous arrive, ou bien, je dirais même la prochaine fois que ça vous arrive, faites un exercice très drôle. Et je dis drôle parce que vous allez même, au milieu de cette confrontation, vous allez vous arrêter et sourire. Parce que vous allez dire que, mais, je m'observe en train de réagir à cette situation-là. Le but de cet exercice, c'est de nous faire réaliser que très souvent, on fonctionne beaucoup en mode autopilote. La plupart des gens fonctionnent à 95% en mode, on est en mode autopilote. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit même plus. Un truc arrive, en fait, on est tellement dans la réactivité, la réaction. Qu'on n'utilise plus nos cerveaux. Moi, je vous mets au défi. Quand la prochaine fois dont vous allez avoir un affrontement avec quelqu'un, faites cet exercice-là et venez, s'il vous plaît, témoigner sur la chaîne. Vous allez voir des miracles arriver. Ce qui nous amène plus ou moins au deuxième point, deuxième secret, qui est le fait que beaucoup de gens ne contrôlent pas leurs pensées. Ils sont vraiment dans la réaction. Est-ce que vous saviez que l'être humain a en moyenne plus de 60 000 pensées par jour?
sur le 60 000 pensées, il y a 92% de ce 60 000 pensées qui se répètent chaque jour. Donc, 92% des pensées que vous avez hier, là, c'est elles qui sont encore aujourd'hui. Le même, là, les mêmes pensées, c'est que c'est celles que vous aurez demain. Et après demain, et après après demain. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur ces pensées-là, accrochez-vous, 80% sont négatives. Je vous parle des études qui ont été menées ici aux États-Unis. 80% sont négatives des pensées que la moyenne des personnes ont. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on va du côté des personnes à succès, c'est tout l'inverse. Il y a beaucoup de pensées positives. Surtout, c'est très connu que les personnes à succès sont des personnes optimistes. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un à succès qui est pessimiste. C'est du jamais vu. Citez-moi juste une personne, s'il vous plaît. OK? Et je ne vous parle pas des gens qui font leur argent sur l'émotion des gens et qui mal parlent d'autres personnes et on les paye pour ça. Ça n'a rien à voir. Je parle des personnes à succès qui ont bâti leur empire, qui ont lancé leur business ou qui ont leur petite entreprise, qui se font quand même assez d'argent ou bien qui sont même juste heureux. Ce n'est pas juste l'argent, qui sont juste heureux. Mais non, d'aucuns diraient 60 000 pensées par jour, c'est énorme. Comment est-ce que je peux contrôler 60 000 pensées? Et je peux comprendre. Parce que vous ne serez pas tout le temps de penser, oh oui, comme là je suis en train de parler, vous voyez, une pensée m'a traversé l'esprit. Mon cerveau en même temps allait du côté de, chez une de mes amies, je dois lui faire un retour, vous voyez. Et ça, c'est pas à tout prix contrôlable. Mais ce que je veux dire, c'est que avec le temps, c'est pas contrôlable pour un début. Vous n'allez pas contrôler toutes vos pensées pour un début. Mais prenez le temps, une fois de plus, d'observer vos pensées. Et en les observant, vous serez ainsi capable de les contrôler. Et prenez le temps d'observer les pensées qui vous font le plus peur. Ça, c'est intéressant. Et avec le temps, vous serez capable de changer ces pensées et de les transformer en quelque chose de puissant. Le troisième secret très connu, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction et oh combien les gens ne réalisent pas à quel point ce truc est vrai. Vous attirez à vous ce à quoi vous pensez de manière constante. Je pense vraiment des fréquences ici. Je pense que sur une ou deux vidéos dans le passé, j'en ai parlé, mais bon, je n'ai pas creusé parce que bon, je ne veux pas non plus qu'on devienne, que ça devienne un peu, on est trop dans la psychologie ou des choses qui ne sont pas à tout prix terre à terre. Parce que là, on parle des choses invisibles. Quand on vous dit les fréquences, vous savez que la fréquence, c'est quoi? Maintenant, de nos jours, vous pouvez calculer. Ça peut se calculer, ça se voit avec les machines. On peut calculer vraiment la fréquence du cerveau. On peut voir sur les machines. Mais maintenant, tu vas dire à quelqu'un qui ne sait pas ces affaires-là que bon, les fréquences, c'est quoi. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que ce sont les pensées. Parce que les pensées ont des fréquences. Et ces fréquences s'accordent à d'autres fréquences. Et la loi de l'attraction dit quoi? Vous attirez à vous ce à quoi vous pensez. En d'autres termes, la fréquence de vos pensées attire à vous la même fréquence de quelque chose de l'extérieur. Si donc, vous êtes une fréquence basse, pour ne pas dire négative, vous allez attirer à vous des gens négatifs. Si vous êtes une fréquence haute et que vous êtes positif, vous êtes joyeux, et que des gens négatifs, une fréquence basse viennent, je vous promets qu'il n'y a pas de match. Vous pouvez vous entrecroiser, mais très vite, vous allez continuer votre chemin parce que ce n'est pas la même fréquence. La loi de l'attraction. De la même manière, quand vous pensez positif, vous attirez positif à vous. C'est tellement vrai, je ne sais même pas par où penser. Je vous parle personnellement de mon expérience. La plupart des choses que j'ai pu réaliser, c'est parce que justement, j'avais compris l'importance de cette loi-là. Quelle est donc la qualité de vos pensées? À quoi pensez-vous? Est-ce que vous pensez positif? Est-ce que vous pensez négatif? Si oui, peut-être il est temps de faire un changement. Ce qui nous amène au quatrième secret, que souvent les gens ne réalisent pas. Les gens ne connaissent même pas. Je ne suis même pas sûre que 10% des gens connaissent ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, non seulement dans mes lectures, mais en pratiquant. L'univers ne connaît pas la négativité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la science, au niveau de l'éducation des enfants, on s'est rendu compte de la même chose. L'enfant ou le cerveau ne connaît pas la négativité. Le cerveau étant faisant partie justement de cette grosse composante qu'on appelle l'univers. Ou Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez. L'univers ne connaît pas la négativité. Donc, quand dans tes pensées, tu dis, oh,
Oui, on a besoin, on n'a pas besoin de la guerre, on n'a pas besoin de la guerre dans la communauté. Ça n'aide pas d'avoir la guerre. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez guerre et vous attirez donc à vous plus de guerre. Ok? Vous dites qu'on n'a pas besoin de guerre. L'univers ne connaît pas le pas. L'univers connaît guerre que vous avez mis là. Donc, une fois que vous comprenez ça, vous transformez votre manière de penser et de vous exprimer même. Et vous allez dire, oh, on a besoin de plus de paix dans la communauté. On a besoin de paix dans la communauté. La même manière, si on doit transposer ça sur le tas du cerveau, si vous prenez le cerveau d'un enfant, et ce qui est intéressant, c'est que je prends le cas d'un enfant parce qu'à cet âge-là, quand ils sont encore petits, ils ne sont pas formatés comme nous. Okay? Et vous dites à votre enfant, oh, arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Bon, ça peut marcher sur le long terme, hein, c'est sûr. Hein. Surtout quand il y a la menace, là, il y a la babouche ou un truc, c'est sûr que ça peut marcher sur le long terme. Mais ce que le cerveau retient, c'est pleurer. Au contraire, il faut dire, calme-toi. Calme-toi, ou ça va aller. Calme-toi, ou ça va aller. Parce qu'avec les enfants, ce qui est intéressant, c'est que quand vous utilisez un mot et vous utilisez la négativité, le cerveau comprend le mot. Le cerveau ne comprend pas, arrête de. Ne fais pas ça. Ne fais pas tomber le plat. Le plat continue à tomber. Et chaque jour, ça arrive. J'ai parlé à une de mes proches aujourd'hui, ce qui est intéressant, elle me disait, oui, mais l'enfant, elle ne comprend pas. Je lui demande toujours de ne pas mettre la banane dans la poubelle. Et chez les gens, c'est justement parce que le père, il ne comprend pas. C'est un préado, il ne comprend pas. Dis-lui, prends la banane et mets là-bas. Ce qui comprend, et ça fait 5 ans, elle apprend l'enfant pour dire qu'arrête de mettre la banane dans la poubelle de la chambre. Arrête de mettre la banane. Ne mets pas, ne mets pas. Le cerveau ne comprend pas ça. Ok? Donc ça, c'est un secret. Gardez ça en tête, les gars. Je vous promets que en 90 jours, et j'ai pas dit 90 jours parce que c'est souvent le temps que ça prend pour qu'une transformation des habitudes ait lieu. Je vous promets qu'en 90 jours, les gars, cette vidéo va sortir sur la chaîne en août. Septembre, octobre, novembre. Appliquez ça pendant ces 3 mois-là. Et venez témoigner, s'il vous plaît. Venez, que ce soit les petits changements, et ne négligez pas ces petits changements-là. Une fois que vous voyez des changements dans votre vie, venez laisser le témoignage ici. Et ce sont des lois universelles. Peu importe ce, vous pouvez même croire à l'immeuble, croyez en la lumière, croyez à ce que vous voulez. Ce sont des lois universelles qui s'appliquent. Le cinquième secret est très intéressant parce que c'est. J'ai lu ce livre-là, j'étais du genre. C'est tellement vrai. Le titre du livre, c'est The Power of Now, de Eckhart Tolle. Et il y a une notion que j'ai tirée de ça, j'étais du genre, mais le pouvoir qu'on a sur notre vie, c'est maintenant. En fait, ce secret dit quoi? Et c'est une manière pour moi de reformuler, c'est pas ce que ça dit mot pour mot, mais ça dit que si vous vivez dans le passé, vous vous dérobez de votre futur. Parce qu'il faut comprendre quelque chose avec l'espace-temps. C'est que le passé, le présent et le futur sont liés. En fait, le temps, c'est ce que certains appelleraient une illusion. La preuve. Regardez ce que je viens de dire. Le temps, je viens de dire le temps. Et c'était mon passé. OK? Le OK que je viens de dire, même encore là, c'est mon passé. Je viens de le dire il y a quelques secondes. Mais néanmoins, ce que je dis présentement, c'est mon présent et c'est mon futur en même temps. Vous voyez un peu le twist? Donc, ce sont des notions qu'il faut maîtriser. Parce qu'une fois que vous maîtrisez cette notion-là, vous allez vous rendre compte que le vrai pouvoir que vous avez sur votre vie et sur votre futur, c'est maintenant. Les gars, ça, c'est une des notions que les milliardaires maîtrisent. Le pouvoir du maintenant, le pouvoir que vous avez sur votre futur, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, parce qu'il n'y aura jamais de demain ou d'après-demain. Il y aura toujours un maintenant. C'est ce moment précis où vous avez le pouvoir de changer votre vie, d'impacter votre vie, de faire une différence. Vous avez le choix, et on a toujours ce choix-là, de soit vous mettre dans votre canapé, regardez un bon film de 2 heures de temps, tout en oubliant que vous vous dérobez de votre futur.
brillant, à succès, parce que vous vous dites que ah, demain, je vais faire ce que je devais faire aujourd'hui. Le sixième secret, j'en ai parlé brièvement un peu plus tôt, c'est visionner. C'est le secret de... C'est tellement puissant de se voir déjà accomplir ce qu'on veut accomplir plus tard. Parce que ce qui est intéressant à travers de ça, c'est que ça met un processus inexplicable en marche. Et ça revient encore au niveau des fréquences. Donc, visionnez toutes les bonnes choses que vous voulez. Visionnez la vie que vous voulez. Visionnez le partenaire que vous voulez. Ça, c'est le sixième secret. Mais au-delà du sixième secret, s'il vous plaît, on va parler du septième. Après avoir visionné et après avoir été dans votre tête, si vous n'appliquez pas ce septième secret, c'est une perte de temps. Parce que le visionnage lance le processus, mais il y a quelque chose de plus important que visionner. C'est l'action. L'action accélère ce processus. Et quand on dit action souvent, on ne vous demande pas de prendre, de mener des actions massives. Pas pour un début, non. Des petites choses chaque jour qui vont faire une grosse différence dans votre vie. Des petites choses chaque jour. On me demande souvent, Stéphanie, tu fais comment pour faire tout ce que tu fais? Est-ce que tu as 10 têtes? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne nous dis pas que tu fais? La réalité, c'est que je me concentre sur ces petites choses qui ont un gros impact demain. Je ne m'embrouille pas le temps. Je ne coupe pas à gauche, à droite. Non, non, non. Une fois que j'ai visionné où je vais aller, où je vais être dans un an, ou dans 5 ans, dans 10 ans, ce que je surpasse pratiquement toujours, j'agis. Et ce sont des petites actions qui font une grosse différence sur le long terme. Voilà tout pour la vidéo, les amis. Si vous avez aimé, mettez le pouce bleu. Partagez, parce que c'est une information secrète, clé. Ceux qui veulent en savoir plus, allez lire le livre The Secret. Vous pouvez également lire le livre de Napoleon Hill. Il en parle en long et en large. Et je vous vois à la prochaine vidéo. Peace out.